Salut à tous les potos, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, j'espère que vous allez bien l'équipe. Aujourd'hui les amis, on va parler du cube qui est apparu hier soir, donc à 23h à l'heure où je fais cette vidéo. Voilà, donc il y avait une faille dans les airs, la faille qui envoyait un éclair à cet endroit de la map toutes les heures. Ensuite ça a été de plus en plus fréquent et à 23h on s'est tapé un très très gros éclair qui a fait apparaître ce cube. Voilà. Alors moi les amis, dans cette vidéo, je vais pas émettre de théorie. Hein. Moi je suis pas ce genre de mec qui va raconter par A plus B qu'il va se passer ça. On ne sait pas ce qui va se passer. Et là, avec cet événement, encore moins, c'est vrai que Fortnite, Epic Games nous a toujours habitués à de très très beaux secrets entre guillemets pour maintenir la hype. Mais là, c'est vrai que l'histoire du cube, c'est vraiment quelque chose sur lequel on s'attendait pas du tout. Pourquoi je fais pas de théorie, hein? Parce qu'on s'en rappellera de ces chers amis, je citerai pas de nom, qui nous racontaient par A plus B que Tilted Tower allait disparaître, les gars. Tilted Tower, il est encore là 3-4 mois après. Donc voilà, je pense que pour ça, on peut dire que ça a été raté. Donc je ferai pas de théorie dans cette vidéo, que du concret. Donc déjà, qu'est-ce qu'on sait de ce cube? Ce cube, les gars, donc il me fait très penser au cube dans Transformers 1, les gars, le gros cube là, il y a pareil, il y a des symboles chelous écrits dessus, il y a de l'énergie. Voilà, donc c'est un cube qui renvoie de l'énergie comme vous le voyez, quand on le tape, il renvoie les dégâts. J'ai remarqué aussi que quand on donnait des coups de pioche, vous voyez là comme je le fais actuellement, si on donne un coup de pioche avec le bon timing, on se fait projeter très 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 haut dans le ciel comme vous voyez, très 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 haut. Voilà. Et donc le cube a vraiment, on dirait, une conscience. Et si on l'attaque, il va vous renvoyer les dégâts. Comme vous le voyez aussi, il y a des symboles sur un fond de galaxie. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai trouvé moi dans cette vidéo que je vais vous montrer? Tout simplement, j'ai trouvé ce qu'il y a à l'intérieur du cube. Alors, déjà, comme vous pouvez le voir à l'intérieur, il n'y a pas qu'un cube. Comme vous le voyez là, on voit donc les textures au sol. Ben avant que le cube apparaisse, et vous voyez qu'à l'intérieur il y a un deuxième cube. Il y a un deuxième cube, vous voyez, qui est lui-même à l'intérieur du premier. Voilà, donc là on le voit très clairement qu'il y a un deuxième cube. Et à l'intérieur de ce deuxième cube, il y a un troisième cube. Voilà, donc ces trois cubes qui sont emboîtés les uns dans les autres. Là on peut le voir très clairement. Et dans le troisième cube, vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Voilà, il n'y a rien. C'est complètement vide. Voilà, donc je pense que c'est normal, il n'y a pas de passage secret ni de levier magique comme certains vont essayer de vous le faire croire. Peut-être qu'il y a, sachant que la mise à jour a fait aussi apparaître Tomato Temple, qui est une nouvelle ville qui remplace Tomato Town. Voilà, il faut savoir que, à mon avis, Fortnite Epic Games attend justement la prochaine saison pour nous dévoiler la vérité sur ce cube. D'ailleurs, vous avez vu les très beaux hiéroglyphes, si on peut appeler ça comme ça, cryptogrammes. Voilà, avec un petit bruit aussi qui émane du cube. Voilà, après, pour moi, le cube, les gars, c'est comme quand il y a eu la météorite, c'est comme quand il y a eu les failles. Voilà, c'est quelque chose, on pourrait dire, qui maintient la hype, car les gars, c'est comme ça qu'ils arrivent à continuer à maintenir la hype des joueurs, et ça, ils savent très bien le faire chez Epic Games. C'est tout simplement en faisant des petites easter eggs comme ça et qui maintiennent la hype et les joueurs aux aguets. Par rapport à ça, les gars, je ferai pas de théorie sur le cube. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des théories sur qu'est-ce que ça pourrait être, etc. Mais en tout cas, ce qu'on sait, voilà, c'est que par rapport à tout ce qui est météorite et tout, on a beaucoup moins d'indices. Peut-être que les indices vont être petit à petit implantés dans le jeu. Mais là, vraiment, on n'a aucun indice sur pourquoi ce cube est là, qu'est-ce qu'il fait. Voilà, sur la map, on n'a vraiment pas de entre guillemets indice clairement sur son emplacement. Voilà, on ne sait pas pourquoi il est ici, il est apparu là. On ne sait pas pourquoi il est là. Voilà. En tout cas, la seule chose concrète qu'on sait pour l'instant, et c'est ce que je vous répète encore, moi je dis que du concret, je fais pas d'hypothèse pour attirer des vues en vous disant ouais, alors le cube il va ouvrir une faille spatio-temporelle qui va ramener je sais plus quel skin. Enfin voilà, non. Moi les gars, je vous fais du concret. On voit très clairement qu'à l'intérieur de ce cube, il y en a un autre et que dans celui-là, il y en a même un troisième. Donc c'est trois cubes qui sont emboîtés les uns dans les autres. Là, vous voyez, on le voit très clairement. C'est trois cubes qui sont emboîtés les uns dans les autres. Alors peut-être que ce sont les textures, voilà, ou peut-être que c'est, on va dire, une préparation d'autre chose pour le futur de ce cube. Voilà, pour le futur qui va se passer sur Fortnite. En tout cas, très bien joué à eux, très bien joué à Epic Games.
qui maintiennent la hype très 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 bien. Ils savent très très bien faire ça chez Epic Games. Et vraiment, ça fait se poser des questions. Voilà. Sur ce, les potos, c'est tout pour la découverte d'aujourd'hui. Je vais vous laisser avec un petit gameplay qui s'est passé hier soir avec les collègues. En fait, on est arrivé pile au bon moment quand le cube est apparu. Voilà, on s'est tapé une bonne barre de rire. Il y avait quasiment toute la map sur le cube. Si vous avez une théorie par rapport au cube, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça fait plaisir. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Si vous avez kiffé, vous lâchez un pouce bleu. Si vous n'avez pas kiffé, vous lâchez un pouce rouge. Voilà. Sur ce, les potos, on va se laisser là. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'en profite pour vous dire que je vais recommencer les best-of. Des petits best-of Fortnite avec des petits kills, des petits gameplays sympathiques. Voilà. Sur ce, l'équipe, prenez soin de vous. Pas de folie. Allez, à plus. Mais je t'ai touché, gros, qu'est-ce que tu racontes? Regarde lui là avec sa boule disco là. Vas-y les gars, on va log quoi. Dans les favelas ou quoi? Non. Encore les favelas si tu veux. Vas-y, on va liquider les mines. What? Wesh, qu'est-ce qu'elle a cette pute là? Elle a bugué mec, ou mec, quoi? mec, 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 mec. Mec, 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 mec. Go là où il y a eu l'éclair. Go là où il y a eu l'éclair. Go là où il y a eu l'éclair. Il y a un truc qui vient d'apparaître. Il y a un truc qui vient d'apparaître. Il y a un truc. What? What? What the... Gros, il y a un putain de cube qui vient d'apparaître. C'est quoi? Oh, il y a tout le monde, il y a tout le monde. Yeah. C'est trop bien. What? What? C'est quoi ce délire, gros? C'est quoi ce délire? Oh frère, je m'en bats les couilles, je reste toute la game ici. Hein. What? Oh, je mets des sales coups de pioche énervé, gros. Oh, ça me donne du shield, ça me donne du shield. Oh, y'en a un qui a une arme. What? Oh gros, je me suis envolé énervé. Vas-y, on se casse de là les gars. Non, non, t'es fou gros, moi je reste là, wesh. C'est trop bien. What? Oh, je m'envole tellement haut. Oh, je suis mort, je suis mort. Je suis mort, mais je rebondis. Tu peux me soigner ou pas, Nico? T'es où? Attends, je me casse. Wouah, c'est le bordel gros, y'a toute la map. Voilà, je vais chercher une arme. What? C'est quoi ce délire? Oh, je perds pas de vie. Bobby, tu bondis encore. Mais ouais frère, c'est trop bien. Débarque. Waouh, c'est quoi ce truc? Oh, ils sont partis loin Fortnite hein. Oh là là. Mais si, viens Nico. Mais non, mais je sors quand il arrive. Parce que si je descends, je vais me faire Oh, y'en a un qui arrive en golfette. Oh, je suis le seul dessus. Ah non, il y a un autre gars. Non, essaye pas de me taper. Il essaye de me taper. Lui va crever en golfette, gros. Il va crever. Oh, il est mort. Vas-y, gros, tu peux venir me réa. Je suis tout seul. Hein. Vas-y, j'arrive. Attends, attends, attends. Attends, va sur l'escalier, va sur l'escalier. Non. Non. Non, mais Nico, putain. Tu m'as poussé. Putain, je suis sûr il va se passer un truc de ouf en plus avec le cube là.
attack.